Yo tout le monde, c'est Captain Rocket, j'espère que vous allez bien et je vais très très bien les amis. Et on se retrouve pour une vidéo qui va me faire plaisir les amis. Le retour de On peut les battre les amis. Donc comme vous pouvez le voir, c'est l'équipe de On peut les battre. Pour les personnes qui sont nouveaux, enfin nouvelles sur ma chaîne et qui ne savent pas c'est quoi On peut les battre, je vous invite à aller voir, à aller regarder l'épisode 1 de cet épisode. Tout simplement, il sera dans la description. De toute façon, il y a une playlist. J'ai une playlist sur ma chaîne de cette série. Et donc là, on est à l'épisode 7. J'ai arrêté cette série pendant les TOTS. Et je pourrais la reprendre après les TOTS. Parce que j'ai eu quelques messages. Tu arrêtes, on peut les battre ou pas. Et tout. Parce que franchement, c'est une série que j'adorais. Donc j'allais certainement pas l'arrêter. Et donc, lors du précédent épisode, si je dis pas de bêtises, on a eu un plus 29. Je vais quand même vérifier cela, les amis. Je vais quand même vérifier tout cela, tout simplement, pour ne pas dire de bêtises. Oui, c'est ça, un plus 29. Et donc, il restera un plus 3 quand je vais faire cette vidéo à la fin des modifications. Donc, on va changer notre défenseur central, tout simplement, même s'il m'a fait vraiment le taf. Franchement, il m'a fait vraiment le taf, hein, ce petit joueur. Antonio Ferreira, 1m92, 80 de vitesse et tout. Le tralala, mais il ira sur le banc. Il ira sur le banc maintenant. Donc, il m'aura fait le taf. Mais on va faire rentrer un défenseur central que j'aime bien. Aussi, brésilien. Tout simplement, il s'agit de Felipe Santana, les amis. Felipe Santana, un très très bon défenseur central. 80 de vitesse, après le reste, voilà, il fait 1m94. Bon, un petit rendement faible en attaque et défense moyen. Bon, après sinon, les stats c'est correct, donc ça fait plaisir de pouvoir l'accueillir dans mon équipe. Après, le deuxième remplacement dans cette équipe, ce sera Mariano. Mariano qui n'aura pas joué beaucoup de matchs avec moi, ce petit Mariano, 4 matchs. Mais je vais prendre un joueur que j'ai adoré et que j'adore toujours. Un défenseur droit brésilien qui joue à Man U, tout simplement, c'est Raphaël, un défenseur que j'ai surkiffé cette saison. Je le trouve super fort, donc je l'avais déjà dans mon club, tout simplement. J'ai fait plus de 50 matchs avec, une centaine voire plus, en comptant les autres comptes, et surtout que celui-là je l'avais revendu comme un con. Donc franchement, très très bon, je vous le conseille, ce défenseur. Après, un autre joueur, ce sera un joueur à la place de Fernando. 35 de vitesse, ça fait mal au cucu. J'aurais fait 3 matchs avec, il m'aura fait une passe. Mais voilà, je vais prendre aussi un joueur que j'aime bien, vraiment un Brésilien aussi en barque de Premier League, qui joue à QPR, c'est Sandro, les amis. Sandro, que j'ai adoré aussi cette saison, enfin cette année. Donc franchement, ici, vous pouvez le voir, hein, 41 matchs, 2 buts, 13 passes D. Franchement, il est très très bon, ce Sandro. Il est vraiment bon. Donc voilà, c'est pour ça que je le prends. Et donc, les amis, on va aller modifier le dernier joueur, tout simplement. Le dernier joueur, ce sera Barreto. Lui aussi, il n'aura pas joué beaucoup de matchs avec moi. Il aura joué 3 matchs. Donc, et il va sortir. Il va partir pour mon... Nami, ah oui, what? Ah oui, il n'est pas embarqué, c'est vrai, il n'est pas embarqué. Ce sera pas Neymar, ce sera Rafinha, tout simplement. Joueur en or, qui a quand même des bonnes stats. Il a 87 de vitesse, 82 de dribble, 61 de physique, 72 de passe, 4 étoiles, gestes techniques. Bon, il a un petit 65 en tir, mais rappelez-vous que lui, il a 68. Mais bon, j'ai privilégié la vitesse, tout simplement, et la stat de passe, tout simplement. Donc, on va essayer de faire des bons matchs avec cette équipe. Et donc voilà, l'équipe-là, c'est cette équipe-là avec laquelle on va jouer dans ces deux matchs. Parce que oui, il n'y a que 2 matchs par épisode dans cette série. Il n'y a que 2 matchs dans cet épisode, enfin dans cette série plutôt. Donc hop, on retire ça et après on va aller faire les matchs, tout simplement. Donc j'espère que cette série, les amis, va vous faire plaisir. Si ça vous fait plaisir, ben, n'hésitez pas à liker, parce que les amis, il y a un bonus, hein, comme si vous avez oublié, il y a un bonus. Par tranche de 50 likes, je peux mettre un plus 1 ou un plus 2, je sais plus.
Je sais vraiment plus si c'est un ou deux. Pop pop pop, je suis en train de vérifier ça. Mais je sais plus, hein, les gars, ça fait tellement longtemps. Ça fait tellement longtemps que j'ai pu faire cet épisode que je me rappelle même plus des choses. En tout cas, les amis, je vais certainement faire défiler au début de la vidéo ou à la fin pour savoir quoi. Mais par tranche de 50 likes, on a droit à ouais, voilà. Par tranche de 50 likes, plus 1 de général. Donc, explosez-moi cette barre de likes, les amis. Au moins 150 likes, ce serait sympathique. Ainsi, je pourrais avoir un plus 3. Et ainsi, vous pourrez m'aider à prendre un plus 3 de général. Donc, les amis, on va aller faire le match. Tout simplement, la forme est bonne ou pas? La forme est bonne chez tout le monde, oui. C'est bon. C'est bon, ça. Donc, on va aller faire des matchs. C'est des matchs en coupe gueule, les amis. C'est des matchs en coupe gueule. Donc, on est en quart de finale actuellement. Donc, on va continuer. On va continuer ceci, tout simplement. Donc, on est parti pour aller faire le premier match de cette vidéo. Ce sera sur des matchs résumés qu'on fera cette vidéo, comme d'habitude. Et donc, on est parti. On se retrouve dès que j'ai un adversaire. Alors, on a trouvé un adversaire. 84 de notes, 100 de collectif. Nous avons droit à une équipe de Barclay. Donc, on a des équipes. Enfin, on a du 87 de général. On a 2,86. 3,86. Ok. Je sais plus. Je sais plus du tout si c'est 86 ou 87 ou 88, je sais plus. On verra bien. On va faire ce match, les amis. On se retrouve pour la meilleure action de ce match. Vitinho la frappe et De Gea qui fait l'arrêt. Dommage. Allez, les gars, on continue. Kelvin la frappe, De Gea sur l'arrêt. Allez, les gars, on continue. Oh oui, Kelvin. Oh, Kelvin. Ouh, dommage, elle aurait été belle celle-là, les gars, elle aurait été belle. Faute, pénalty, mais il y a pénalty là, monsieur l'arbitre. Faut protéger les joueurs, purée, sérieusement. Oh là là, le mec, il m'a arraché une jambe, quoi. Il m'a arraché une jambe. Et je vais pas me prendre un but là-dessus, hein, quand même. Attention, Sturridge, le but PS, oulala. Là là. Il a failli marquer but PS. Ah bah, les gars, sans pitié, je vous le dis tout de suite. It's been a long day without you, my friend. And I'll tell you all about it when I see you again. You've come a long way. C'est quoi ce délire? Mais what? Mais y'a faute! Mais c'est pas possible! Mais c'est pas possible, y'a faute là! C'est pas possible. C'est pas possible. Je me fais voler un truc de fou. C'est incroyable. Il a fait une seule frappe cadrée du match. Il a fait une seule frappe cadrée du match. Il n'a rien fait du match sinon. Et en plus il y a faute en plus. Mais bon, la note des joueurs, vous pouvez la voir, hein. C'était pas un match terrible. Pas mal terrible du tout. Donc lui, son meilleur joueur, c'est Sturridge, parce qu'il a marqué. Donc voilà, les amis, je vais faire le calcul et on va voir combien de hub j'ai droit. À tout de suite. Nous revoilà, les amis. Donc j'ai été faire le point et donc ben, on reste à 3 en fait. On reste à 3 up parce qu'on n'a pas eu de up. En même temps, c'était un match de merde, les gars. C'était un match ennuyant. Je suis déçu de ce match. Je suis vraiment déçu. Mais bon, c'est comme ça, on sait rien y faire. Et donc, ce qui veut dire qu'il y aura un peu moins de up, hein, pour le prochain épisode. Et donc, les amis, on va aller faire le deuxième match. Donc, on se retrouve tout de suite dès que j'ai mon adversaire. Alors, il me propose une équipe légendaire 84 de notre 100 de collectif. Ouh, une légende. Une légende, les gars. Une légende. Et un tot et un man of the match. Ok. Donc ça c'est bien, ça va pouvoir, si je gagne face à lui, me donner des trucs. Une légende, oh là 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 les gars. Ouf ouf ouf, une légende, ça fait, c'est rare que je tombe pour de légende. Franchement, je vais pas vous mentir, c'est très très rare que je tombe sur une légende.
Bon, c'est loin d'être la meilleure légende. Et surtout que les légendes, maintenant, elles ne coûtent pas si cher. Donc, bah, les amis, on se retrouve tout de suite. Oh là 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 là! Ouh, des gardiens, mais non! On encaisse le premier but à la première minute, malheureusement. Et il me fait une pause. Génial. Ça, c'est typiquement les mecs en ligne. Alors, le gardien, quand même, a fait un bel arrêt, mais voilà, je suis dégoûté, quoi. Je suis dégoûté de mettre plus le but. Bon, ben, maintenant, on est dos au mur, hein, on va devoir marquer, tout simplement. Et on va devoir se réveiller. Donc, à tout de suite pour les prochaines actions. Faute, monsieur l'arbitre, hein, mais il tombe pas tout seul, hein, c'est incroyable, hein, ça. Allez, Pelé. Pelé, voilà. Le mec, il s'amuse à faire tout droit. Eh ben, on est deux, maintenant. Crois-moi, mec, t'es pas tombé sur la bonne personne pour faire tout droit. Surtout quand j'ai Pelé. Surtout quand j'ai Pelé. Donc, allez, les gars, on va aller chercher cette victoire, bordel. Cet adversaire m'énerve. Allez, on y va. Kelvin, voilà, allez. On va laisser peser 2-1, et crois-moi, ce sera pas la fin. En plus, ça rime. Allez, on continue. Mais dégage avec tes tout droits, bordel. Il fait que ça depuis tout à l'heure, hein. C'est énervant des mecs ainsi. Franchement, ça m'énerve. Non, 2-2, les gars. Allez, c'est pas grave. On va essayer de repasser devant. Voilà, c'est comme ça qu'on joue. C'est comme ça. Le foot, ça se joue avec des passes. Voilà. Ah ouais, les gars, je m'énerve, mais franchement, je suis désolé, hein. Cet adversaire me saoule, hein. Voilà, les gars. Oui. Yes, les gars. Magnifique but à l'engagement. Magnifique. Ça fait plaisir, ça, les gars. Allez, les gars, on continue. Non. Je le sentais, mais bon. J'ai hésité à aller sur la frappe, mais bon, il a quand même fait le sens pour son folleur. Les matchs dans cette série, c'est toujours comme ça. C'est toujours avec des matchs avec un rebondissement, pardon. C'est incroyable. Il peut tout arriver dans cet épisode, j'ai l'impression. Tout. Attention, on est parti pour un festival de tout droit. En plus, il a tout le compte favorable. Ah, il a appris à faire une passe. Allez, la frappe! Je m'en bats les steaks, les gars! 4-3, allez! Là, aucune pitié. De 2-1, aucune pitié parce que c'est en ligne. Et de 2, parce que ce mec ne sait pas jouer. Il fait que d'être tout droit, full tout droit. Et il a de la chance. Donc ça m'énerve. Des mecs comme ça m'énerve. Donc, on va chercher la victoire comme on peut. Parce que, voilà, ils sont avantagés avec leur tout droit, là, dans ce jeu. Eh ben, on va chercher la victoire comme on peut. Allez, 4-3, en une mi-temps. Hein. En une mi-temps, les gars. 7 buts en une mi-temps, c'est un truc de fou. Voilà. Là, t'es coupé par le jeu, mon petit gars. Là, tu peux pas continuer tout droit. Voilà. Allez, bon, c'est la mi-temps. Match de folie. 9 tirs à 5, 5 tirs à 4 à 6. Pourcentage de possession de passe, enfin, de pression de passe, ça va. Moi, je suis à 100% anti, donc ça, c'est bien. Donc, ben, les amis, on continue, on est bien. On est bien dans notre match. Par contre, je suis un peu énervé à cause de mon adversaire. J'ai un peu avalé de la CD, là, c'était dégueulasse. Et donc, on va aller chercher cette victoire. Parce que je ne compte certainement pas perdre. Les gars, je vous préviens de suite, c'est pas fini. Ça se peut très bien qu'il me repasse devant moi. Parce que dans cette série, c'est un truc de fou. Les retournements de situation, c'est un truc de fou. Donc, je parle pas trop vite, on continue. Il se laisse tomber. Ah là là, franchement, ça c'est un truc de fou. C'est un truc de fou parce que regardez-moi, déjà, c'est en dehors. C'est en dehors, après j'ai lâché.
Je l'ai lâché et il tombe après. Et il tombe comme une merde, hein. Vous savez que quand tu tires le maillot comme ça, tu vas juste un tout petit peu, hein, mais tu vas tomber comme une merde comme ça. Voilà. C'est hallucinant. Hallucinant les gars. Mais bon, après, je dis pas, j'ai appuyé sur le rond, mais j'ai appuyé en dehors du rectangle. Après je l'ai lâché. Mais il a continué à tirer son maillot. Bon voilà quoi les gars. J'ai appuyé une fois. Mais bon voilà quoi, on va plonger à droite, il tire mieux. But 4-4. Comme je l'ai dit, c'est une série de fous. Tout simplement, il y a pratiquement toujours des retournements de situation. Donc 4-4. On continue. Ça c'est vite. Non. Voilà. Et là tu te dis pas que c'est un pénalty. Hein. On est parti pour le tout droit. Coup favorable. Un combo. Ah, il a fait un geste technique. Allez, nous, oh, fichier. Mais frappe. Mais bordel, frappe plutôt. Mais je suis tout seul devant le but. S'il te plaît, l'arbitre. J'avais plus qu'à tirer. Mais c'est pas possible, hein. Allez, le but. Oh, il était beau ce coup franc. Dommage. Mais c'est quoi ces comptes favorables? Mais c'est quoi tous ces comptes favorables? Ah non, hein. Ah non, hein. Non. Mais c'est pas possible. Et franchement, les gars, sérieusement. En plus, il me fait le shoot MDR. Ça doit être un bon kikou ce mec. Regardez-moi tout ce qu'il a eu là. C'est hallucinant. Et je sais pourquoi, mais je le sentais. Je l'ai dit à la mi-temps que je pourrais même. Enfin, que je pensais même qu'il allait pouvoir repasser devant. Mais bon, voilà les gars. J'ai un but tout fait, l'arbitre me l'annule. Vu qu'il a eu un coup franc, et ben lui il marque juste après. Faute. Voilà. Ça c'est joué. C'est un truc de fou, je l'ai dit, hein, cette série les gars, elle vaut vraiment la peine de tout regarder. Elle vaut la peine de te regarder. Ah, c'est abusé. C'est abusé. Tous les deux minutes, il y a but. Enfin, il y a des actions. Ah là là. Vous allez voir, moi le péno, je vais le rater. Je sais pas pourquoi, mais je le sens. En plus, en ce moment, je rate tous mes pénalties. Ah non, c'est bon. J'ai marqué. Ça fait plaisir. But. Sur péno de mon ami Pelé qui en est à 4, si je dis pas de bêtises. Il en a à 4. C'est chaud quoi, c'est quand même chaud. Hein. Bon ben les amis, c'est la fin de ce match, on va aller aux prolongations. Donc c'est un beau match hein, pour vous, hein. il y a beaucoup de suspense et tout. Mais bon, la façon de jouer de ce mec est complètement dégueulasse. Donc ben, j'espère que pour une fois le jeu va pas récompenser ce genre de personnes. Donc on continue. Aubameyang et Ronaldinho. Ok. Ça veut dire que ça va aller encore plus vite qu'avant. Génial. On continue les gars. Non. 5-6. Voilà. Par contre les gars, j'ai pas vraiment compris pourquoi il fait rentrer Ronaldinho. Alors que le mec ne pète pas un skill. Je comprends pas. Peut-être pour faire genre qu'il sait ce qu'il est, mais. Pour le moment, il a fait un skill du match. 1 et 1. Il a rien fait d'autre. À part ça, ce n'est que des tout droits. Mais bon. On continue les gars. Il est repassé devant. Faute, non? Bah non, il n'y a rien. Hein. Mais évidemment, Ronaldinho, mais oui, j'ai envie de vous dire. Le mec, il m'a complètement poussé en avant, mais bon. Voilà. En fait, son jeu, c'est à base d'un triangle et tout droit, en fait. C'est hallucinant. C'est hallucinant, les gars.
Je sens que je vais quand même me faire tuer dans les commentaires, mais bon. De toute façon, au point où j'en suis, les gars, que je me fais bien défoncer par le jeu, mais autant bien se faire défoncer tout court. Parce que là, je suis désolé, je vais pas rester sans réaction devant ce que je vois. Et c'est quoi tous ces lags, bordel? Depuis qu'il gagne, ça y est. Ok, ok, les gars. Ça lag comme un porc, les gars. C'est un truc de fou. Je l'ai raté. Bah ouais. Je sentais que j'allais le rater. Mais yes, Pelé qui marque. Les gars, depuis qu'il a marqué le son 5-6, il a lancé, je sais pas, un téléchargement illégal à mon avis. Les grandes personnes pensent savoir ce que je dis. Je vais pas dire le mot parce que sinon, c'est, je vais me faire, à mon avis, strike la vidéo. Mais voilà. Il a lancé un truc parce que le match là comme un pour là. Donc c'est vraiment chelou. Vraiment chelou. Mais bon, c'est comme ça. Il continuera jusqu'au bout, hein. Mais what? Il s'est passé quoi là? Pouf, c'est incroyable. C'est incroyable. Oh, oh là là, purée. C'est hallucinant. C'est hallucinant, les gars. J'ai pas compris ce qui s'est passé là. Mais bon. Voilà quoi, les gars. Je vais vous dire, voilà. Bon. Les stats n'ont pas l'air vraiment d'avoir changé, hein, depuis le début du match. Donc on continue. 6-6. Oui, vous ne rêvez pas. C'est bien 6-6. C'était 3-3 à la mi-temps, si je dis pas bêtise. Pourquoi pas un 9-9 en fin de match? Allez, on continue. Oulala, Aubameyang est parti. J'ai peur, mais je dois y aller quand même. Attention, but PS, attention, but PS. Mais non! Gardien! Mais c'est incroyable. Gardien, s'il te plaît, tu dois plonger au moins. J'ai pas peur là-dessus, les gars. J'ai pas peur là-dessus, sérieusement. Pourquoi tu t'es arrêté? Pourquoi tu t'es arrêté? On va rester ensemble, les gars. Mais franchement, pourquoi il s'est arrêté? La question que tout le monde se pose, à mon avis. Je sais vraiment pas pourquoi est-ce qu'il s'est arrêté, ce con. Voilà, là, vraiment pas. On va perdre ce match. On va perdre ce match, hein. Le mec, il... Ok, dégage, tu me casses les couilles. Ça me dégoûte. Là, franchement, je peux pas être plus dégoûté que ça. Là, j'ai tout eu. J'ai tout eu. Tout eu. Mais bon, il y en a qui vont dire... Ouais, mais il a beaucoup de stats. Il a les stats plus... Enfin, il a plus de stats que toi. Donc c'est normal qu'il gagne. Bah oui, en même temps, s'il fait que ça, en même temps, ça va passer à un moment, les gars. Hein. Bah oui, franchement, je vais vous dire, c'est normal. 5 buts de Pelé, 1 but de Kelvin. 3 buts de Fowler, 1 but de Cuadrado et 2 buts de Sturridge. Qui m'a mis. Ah là, franchement, ce match-là, tout en particulier, il reste à travers la gorge. Il me reste vraiment à travers la gorge. C'est surtout le dernier but qui me reste à travers la gorge. Parce que franchement, je le savais qu'il allait faire ça, donc automatiquement après j'ai essayé de couvrir. Sauf que mon gardien il garde la balle passée. Oh, une balle. Oh, but. Mais bon, c'était un beau match dans l'ensemble, hormis tout ces tout droit et c'est un triangle, parce que il a pas pété un skill du match, hein. Il a fait rentrer Ronaldinho, il a fait les tout droits avec, alors qu'il a 50 ans en vitesse ou en tout le style. Donc on se retrouve tout de suite, les amis, on se retrouve tout de suite pour savoir combien de up on aura lors de la prochaine vidéo. À tout de suite. Nous revoilà, les amis. Donc c'est la fin de cette vidéo. J'ai été faire le calcul et donc on a eu un plus 15 dans cet épisode, sauf que avec les malus, ce qui fait que j'ai perdu 5 up avec les malus, parce que oui, il y a des bonus mais il y a aussi des malus pour les personnes qui ne le savent pas. Donc ce qui fait que j'ai eu un plus 10 dans ce deuxième match. J'ai eu un plus 10, donc ce qui fait que j'ai un plus 13 pour la prochaine vidéo, tout simplement ce que je pourrais améliorer. Tout simplement mes joueurs. Ah, moi, non, les gars.
J'ai oublié de compter les. C'est vrai, j'ai oublié de regarder les likes dans la dernière vidéo. Dans la dernière vidéo, j'ai fait 138 likes. Donc j'avais droit donc un plus 2. Donc ce qui veut dire que j'ai un plus 15. Ouais, j'ai un plus 15. Mais voilà, ça tombe bien. J'ai un plus 15 pour la prochaine vidéo. J'avais oublié les deux. C'est vrai, j'avais oublié les likes. Donc j'aurai un plus 15 pour la prochaine vidéo. Et si vous voulez participer au up, mais lâchez un like tout de suite les amis, ce serait sympathique. Ainsi on aura peut-être le droit d'avoir un up en plus. Et donc n'hésitez pas aussi dans les commentaires les amis à lâcher des bonus, des malus, tout ce que vous voulez. Tant que ça se termine par us. Ne faites pas ce que je pense. Non mais donnez-moi des bonus et des malus. Tout simplement dans les commentaires, je les prendrai en compte. Je prends pratiquement tous les bonus et tous les malus tant qu'ils sont corrects et tant que je ne les ai pas encore. Donc allez dans les commentaires, mettez des bonus, mettez des malus. Likez la vidéo les amis, ainsi on pourra avoir des up en plus. Et donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était 434, que ça vous. Ciao ciao, oui on se retrouve la semaine prochaine. Bye bye.